Emmaüs, c'est quoi? C'est un projet qui est d'accueillir des gens qui sont en grande difficulté et de les ramener vers l'autonomie au travers du travail. Ce travail, c'est la récupération de meubles, mais aussi de fringues, d'objets divers et variés. Ces produits, notamment les meubles, ils sont collectés, ils sont triés, ils sont réparés et ils sont remis en vente. On collecte 65 000 tonnes de meubles par an, donc c'est gigantesque. Et ça permet de donner du travail, pas uniquement au travers des meubles, mais notamment les meubles, à 4500 compagnons et 1700 personnes en insertion. Aujourd'hui, les meubles que nous collectons ont une qualité qui se dégrade. Donc ça veut dire que pour pouvoir les redonner en solidarité ou les revendre, il nous faut les réparer, les remettre en état. Et quelquefois, ils correspondent aussi moins bien aux demandes des consommateurs. C'est-à-dire qu'on récupère des gros meubles et les gens aujourd'hui veulent des petits meubles. Donc on a besoin de réparer, on a besoin éventuellement de transformer. L'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on va faire pour que des compétences qui existent dans une communauté ou un groupe Emmaüs, elles vont pouvoir être transférées à un autre groupe Emmaüs qui est dans une autre région, et comment elles vont pouvoir être transférées, je dirais, de pair à pair. Des modalités classiques de formation avec des guides, avec des schémas, avec des textes à foison ne sont pas forcément adaptés. La vidéo, l'image, quelque chose de très pratico-pratique où il y a vraiment la démonstration par l'image, le tutoriel en fait, classique, pourrait être très pertinent pour les publics qu'on accueille. Les vidéos ont été tournées dans des structures Emmaüs, dans des ateliers menuiseries de structures Emmaüs avec des compagnons et des salariés qui, tous les jours, réparent, transforment des meubles. C'est la réalité du terrain, c'est la réalité des ateliers menuiserie d'Emmaüs et la réalité du travail des personnes qui travaillent chez Emmaüs. Ces formations s'adressent en premier lieu, bien sûr, aux acteurs Emmaüs qui, tous les jours, ont besoin de savoir réparer ou transformer des meubles, donc des compagnons, des salariés. Mais pas seulement, parce que chez Emmaüs, nous sommes pour le partage et nous sommes aussi pour le partage des savoirs et pour pouvoir mettre à disposition en open source nos compétences pour le grand public. Notre projet, c'est donner une deuxième vie aux objets, une deuxième chance aux hommes. Et ce n'est pas un hasard si on est sur les activités de récupération, puisque reconstruire, réparer un objet, c'est aussi se reconstruire et se réparer. Le projet social, l'activité économique complètement liée, c'est vraiment ça, Emmaüs.